Bonjour. Si nous avons choisi de nous retrouver aujourd'hui dans une ambiance un petit peu différente, c'est parce que le très beau reportage que nous vous proposons nous emmène en Asie et qu'ici, au Musée Royal de Mariemont, on trouve une des plus belles collections de notre pays consacrée à l'Extrême-Orient. Derrière moi, une statue de la Canonne à 11 visages, une forme féminine du grand Bouddha de compassion. C'est au Cambodge que nous emmène le reportage, sur le site extraordinaire des grands temples d'Angkor, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grandiose témoin de l'ancienne civilisation Khmer, ce site a fait l'objet, depuis sa redécouverte à la fin du 19e siècle, de tous les soins d'archéologues et d'architectes soucieux de le dégager, de le comprendre et de le rebâtir. Mais il a aussi fait l'objet de pillages mutilants. En témoigne une affaire à laquelle fut mêlé André Malraux, un incident qui fit beaucoup de bruit en son temps et sur lequel revient le reportage. Mais c'est surtout l'histoire de ces hommes passionnés qui ont travaillé à remettre au jour les secrets de ces temples qui nous est racontée. Ce fut parfois au péril de leur vie et on a même évoqué une malédiction d'Angkor. Malédiction qui a épargné Henri Marshall, un des premiers conservateurs. C'est autour de son témoignage que se construit le récit de cette renaissance et de cette restitution au peuple cambodgien de sa civilisation khmère. Plus profond de la forêt cambodgienne, des centaines de temples abandonnés, vestiges d'une civilisation disparue. Autour des ruines d'Angkor, des villages et des paysans qui vivent là depuis des générations. Quand on les interroge sur l'origine des temples, ils répondent. Quelle est la part du mythe? Quelle est la part du réel? Par qui et dans quel but ces temples ont-ils été construits? Pour répondre à ces questions, des hommes et des femmes, membres de l'école française d'Extrême-Orient, y ont consacré leur vie. Artistes, savants, tous ont affronté maladie, guerre, solitude, avec le même acharnement, la même volonté, percer le secret d'Angkor. Beaucoup en sont morts, comme si les dieux s'étaient vengés. L'un d'entre eux, Henri Marshall, a consacré plus de 70 ans de son existence au temple. Les Khmer, peuple très superstitieux, ont remarqué qu'en sa présence, la malédiction divine épargnait Angkor. Pour eux, Henri Marshall devint le Luktana, le sage, le génie protecteur des temples d'Angkor. Cette fabuleuse épopée a commencé il y a plus d'un siècle. Henri Marshall est né à Paris en 1876. Mon premier contact avec le Cambodge eut lieu lors d'une exposition universelle. J'avais 13 ans, et une reconstitution d'un temple d'Angkor avait vivement frappé ma vue. Des lectures renforcèrent encore ce désir de visiter les pays lointains. L'un de ces récits, écrit par l'explorateur Henri Mouhot, racontait comment il avait découvert Angkor au cœur de la forêt. Aventure exaltante qui se termina tragiquement. Frappé par la maladie à l'âge de 35 ans, Mouhot disparaissait dans la jungle laotienne. Et sur ses traces, explorateurs, savants et militaires pénétrèrent dans le cœur du Cambodge. Ma décision était prise. Je savais qu'un jour,
Moi aussi j'irai. À la même époque, la France et l'Angleterre cherchent à ouvrir de nouvelles voies commerciales vers la Chine. Pour contrer les Britanniques, l'Empire français s'installe en Indochine. La région d'Angkor est dominée par le Siam. Pour retrouver l'intégralité de son territoire, le roi du Cambodge, Norodom, place son royaume sous l'autorité de Napoléon III. Le pays Khmer devient un protectorat français. Fini les aventures des explorateurs solitaires. Dès lors, l'État colonial organise et finance les expéditions vers Angkor, comme celles menées par Doudard de Lagrée et Francis Garnier. À Paris, Henri Marshall lit le récit de leurs recherches. Je fus particulièrement touché par cette phrase. Il se mêle à l'admiration que l'on éprouve pour ses richesses artistiques un profond sentiment de tristesse. Est-ce la crainte que ce merveilleux chef-d'œuvre du génie humain ne puisse livrer le secret qu'il renferme avant sa destruction complète? Sauver les temples d'Angkor devint l'objectif de ma vie. J'entrai à l'école des beaux-arts. Mais si le secret des temples d'Angkor, magnifié par les gravures de l'époque, hante les nuits du jeune Marshall et de certains savants, les colons, eux, n'y vont que pour chercher un peu d'exotisme. En 1898, la caméra des frères Lumière enregistre les premières images cinématographiques de ces premiers touristes se rendant à Angkor. À cette époque, la recherche scientifique n'est pas la préoccupation majeure de l'Empire colonial. Pour combler ce manque, l'école française d'Extrême-Orient est créée. Elle s'installe à Hanoï et ses recherches portent sur l'Asie du Sud-Est. En 1901, l'école confiait à un architecte Henri Dufour et un photographe Charles Carpeau, le fils du sculpteur, le soin de faire des moulages et des relevés. Carpeau était à peine plus âgé que moi. Dans son journal, il écrivait « Nous habitons avec 200 bonzes. Angkor Wat, qui signifie la pagode de la ville, est un temple immense, très richement décoré. Ce tombeau royal est demeuré un lieu de pèlerinage entouré de prestige. Aussi, ce monument est-il merveilleusement conservé. » En revanche, tous les autres temples d'Angkor, comme le Bayonne, sont envahis par une végétation formidable. C'est une rude tâche que de déplacer ces énormes blocs dans les galeries éventrées. Il semble que les pierres veulent garder leur mystère. Ces têtes géantes ne vous quittent pas des yeux. Elles semblent vous reprocher d'avoir franchi l'enceinte sacrée. Cependant, il faut déblayer pour avoir les plans et trier les pierres sculptées, afin de restituer les bas-reliefs dépositaires de l'histoire sacrée. Mais ce que craignait Carpeau arrive. Malade, il est transporté à Saïgon où il écrit ses derniers mots. Dysenterie grave, hôpital, vous embrasse tous, courage. Charles. Carpeau meurt à l'âge de 34 ans. Quelques mois après la mort de Carpeau, Henri Marshall apprend que l'on recherche des architectes pour l'Indochine. Il se présente et est affecté au bâtiment civil du Cambodge. Henri laisse à Paris sa femme Marie et sa fille Sappho. À Marseille, j'embarquais pour le pays Khmer. Après un mois de voyage, je réalisais enfin mon rêve. J'étais en Indochine. À cette époque, le Cambodge demeurait mal connu. On lui préférait le Tonkin. C'est à Hanoï que l'on envoyait tous les sujets d'élite. J'entends par là ceux qui savaient organiser des festivités. Pour les autres, nommés au Cambodge, c'était une sorte de purgatoire.
Du côté féminin, le milieu colonial comprenait un certain nombre de numéros qui ne contribuaient guère à relever le prestige de la France. Certaines pensionnaires de maisons closes, rencontrées à Marseille avant le départ du paquebot, avaient trouvé preneur parmi les passagers célibataires. Certaines devenaient Madame le Résident ou Madame la Directrice et affectaient le mépris le plus profond pour tout individu qui n'était pas de race blanche. Je fus long à m'adapter à cette atmosphère de Landerneau provincial. Par réaction, je vivais parmi le peuple et j'affichais des allures débraillées de bohème. Le résident supérieur m'avait averti qu'il était tenu au courant de tous mes faits et gestes. Il était temps que ma femme et ma fille arrivent. À Phnom Penh, avec Marie et Sapho, Henri assiste aux fêtes donnant l'honneur du nouveau roi. À la mort du roi Norodom, Sisovat lui succéda. L'événement qui marqua son règne fut, en 1907, la rétrocession par le Siam à la France des provinces d'Angkor. L'école put créer la conservation. La tâche était immense et le milieu hostile. On trouva l'homme de la situation, mon ami Jean Comaille, qui n'était ni archéologue ni architecte, mais ancien légionnaire et artiste peintre. Comaille nous invita à lui rendre visite. En ces temps, pour aller de Phnom Penh à Angkor, situé de l'autre côté du Grand Lac, il n'y avait pas de route. Nous prîmes la chaloupe. Après trois longues journées de navigation, nous changeâmes de bateau. Un sampan nous conduisit jusqu'à terre. Je pensais à Muo, Carpo, Loti, qui avaient fait le même voyage et dont les récits m'avaient fait rêver. Enfin, j'allais pouvoir découvrir ces temples qui avaient tant excité mon imagination. Une fois débarqué, il fallait prendre la charrette à bœufs. Là commençait le dur et cahotant voyage dans les sentiers cambodgiens, le long de cette jolie rivière qui constituait l'une des attractions les plus séduisantes du voyage. Soudain, une éclaircie dans la forêt m'arracha un cri d'admiration. Là-bas se détachaient sur le ciel les tours du temple d'Angkor Wat. Vision féerique, apparition fugitive que les méandres du sentier faisait disparaître presque aussitôt. Mais dans ce bref instant avait surgi dans l'espace le miracle de l'Arc Mer. Comaille nous hébergea dans sa paillote sur pilotis près d'Angkor Wat, où il vivait avec sa femme. Il menait une vie d'ascète en oubliant les difficultés de la vie quotidienne. Sa femme supportait mal cette vie rustique. Pour se distraire, elle installa un piano dans la paillote. Mais sous le poids de l'instrument, le plancher céda. C'en fut trop pour Madame qui s'enfuit et Comaille demeura seul. Dans ses premiers journaux de fouilles, Comaille énumère les divers travaux entrepris, essentiellement du débroussaillage et du déblaiement. Il lui faudra 4 années de terribles labeurs pour dégager les tonnes de terre accumulées par le vent autour d'Angkor Wat. Dans ses rares loisirs, Comaille peint. Un jour de 1916, revenant de Siem Reap, la ville voisine, avec la paix des ouvriers, Comaille est attaqué par des bandits qui le tuent pour lui voler ce peu d'argent.
Après Muo et Carpo, Coma disparaît tragiquement. Il est enterré près du Bayonne, dans la forêt d'Angkor. Pour remplacer Comaille, l'école choisit Henri Marshall. À l'âge de 40 ans, il devient conservateur d'Angkor. Inutile de dire qu'aucune route n'existait alors et que j'étais réduit à utiliser les sentiers indigènes. Les seuls véhicules à ma disposition étaient l'éléphant, le cheval et la charrette à bœufs. L'équitation n'était pas prévue dans l'enseignement de l'école des beaux-arts. Mes débuts de cavalier ne furent pas très brillants. En outre, il fallait s'habituer aux conditions climatiques, à la nourriture, aux insectes, aux fièvres. Je continuais le travail entrepris par Comaï, le dégagement des temples en pleine forêt avec les faibles moyens mis à ma disposition. J'avais une poignée d'hommes et quelques outils. Je consolidais les ruines pour parer au plus pressé. Sans secrétaire, ni comptable, ni magasinier, je prenais moi-même mes photographies que ma femme Marie m'aidait à développer. Le travail était physiquement pénible, mais j'étais libre. Et je pouvais me considérer comme le maître absolu, ne dépendant que de la direction de l'école française. Quand Henri Parmentier, le chef du service archéologique, venait inspecter mes travaux, s'il n'était pas tout à fait d'accord avec moi sur la façon dont j'avais dégagé ou consolidé un monument, tel le Bapon, il se contentait de me dire « Vous avez fait ça comme ça, moi j'aurais fait autrement. » Et j'avais compris. Nous nous installâmes dans la nouvelle maison construite par Comaï. Sapho n'allait pas à l'école. Le matin, Marie l'éduquait en écoutant Bizet. L'après-midi, elle me suivait sur les chantiers et dessinait dans le moindre détail les milliers d'apsaras, ces danseuses célestes qui ornent les murs d'Angkor Wat. Mes principales missions étaient l'accueil des visiteurs officiels ou officieux, mais chaudement recommandés. Cela n'avait pas que des inconvénients. Quand on m'annonçait la visite de Sa Majesté Sisowat en compagnie d'illustres hôtes tels le maréchal Joffre en 1921, les pistes étaient aménagées. J'en arrivais à souhaiter que de hautes personnalités viennent plus souvent pour que les routes soient enfin praticables. Les Marshall se passionnent pour toutes les manifestations de l'Arc-Mer, royales ou populaires. Sapho écrit un livre sur la danse. Marie et Henri ont pour ami le peintre Georges Grolier, premier français né au Cambodge. J'avais de l'admiration pour Grolier qui parcourait le pays en tous sens. Il était à l'affût de toutes les manifestations artistiques des Khmer. Dans l'un de ses livres, il y a une description particulièrement juste. Le peuple khmer actuel est comparable à la forêt qui recouvre une partie du pays. Comme elle, il est plein de mystères. Dans ses gestes, ses coutumes, on découvre parfois, comme au cœur des forêts profondes, un vestige vivant encore mêlé aux coutumes modernes. Tout le pays garde le sommeil profond, définitif, d'un passé dont il ne profite pas et dont il ne peut s'affranchir. Comme Grolier, j'avais constaté une certaine décadence artistique dû à l'introduction d'objets occidentaux. Cela corrompait le goût de ces artisans khmers, habitués à se transmettre de père en fils des motifs ancestraux où l'art d'Angkor se reflétait. Grolier se bat pour éviter que cette culture ne disparaisse à tout jamais. En 1920, il crée à Phnom Penh l'école des arts cambodgiens et le musée Saro, dont il est le premier conservateur. Grolier expose les sculptures et objets recueillis à travers tout le pays, en particulier ceux provenant d'Angkor. Henri Marshall continue son travail de dégagement des temples. L'école lui donne des moyens et un photographe. Dans ses rapports et journaux de fouilles, il note les faits de la vie quotidienne, les travaux, les découvertes, ses sentiments. Je suis dans ma voie.
Ma vision d'art s'affine et se développe. Nous travaillons à mettre à jour et reconstituer des monuments majestueux. Ce sera long et fatigant, mais nous réussirons, parce que nous avons l'enthousiasme. J'avais sous ma responsabilité plus d'une centaine de temples répartis sur 400 km² qu'il fallait protéger du vandalisme et du pillage. Je n'ai jamais pu empêcher les touristes d'emporter des pierres sculptées, car pour beaucoup de gens, cela ne constituait pas un vol, puisque d'après eux, ces pierres n'appartenaient à personne. Sujet brûlant dont nous parlions souvent avec Georges Grolier. L'école ayant remplacé mon éléphant par une auto, je pus m'occuper des ruines éloignées telles Bantasrei. Ce petit temple avait dû sa notoriété à une affaire de vol de pierre qui fit quelque bruit à l'époque. C'était en 1923. Un jeune écrivain d'avant-garde, André Malraux, amateur d'art dont il commerce un peu, lit les textes juridiques et s'aperçoit que les ruines de Bantasrei ne sont pas légalement protégées. Sous couvert d'une mission archéologique, il vient à Angkor où je le rencontre avec sa femme Clara et un ami. Un jour, tous trois se rendent à Bantasrei. À mon insu, ils y arrachent des sculptures à l'aide de scie et repartent en bateau pour Phnom Penh. À bord, les malles sont ouvertes, les comparses arrêtés. Georges Grolier accumule les preuves, le procès fait grand bruit. Malraux en fera la matière de son roman, La Voix royale. L'école en profite pour mener campagne pour la protection des ruines. Les hommes de terrain fournissent les données aux chercheurs. À Paris, Georges Coedès et Philippe Stern établissent la chronologie des temples khmers, tous construits du 9e au 14e siècle. Il faudra 35 ans pour ériger Angkor Wat. En Europe, pendant ce temps, les chrétiens bâtissaient leur cathédrale. En 1928, le roi Monivong succède à son frère Sisovat. À Phnom Penh, Marshall assiste aux fastueuses cérémonies célébrant l'incinération du défunt. Mais aux festivités royales, Marshall préfère le calme de sa vie provinciale. Il serait pourtant excessif de dire que, malgré mon admiration pour ces cérémonies et fêtes, aucun détail ne vint me choquer. Je fus par exemple assez loin à m'habituer à l'aspect des femmes cambodgiennes, à la carrure un peu forte et aux têtes à cheveux coupés ras. Ce n'est que plus tard que, par la souplesse et la grâce de leurs attitudes, les cambodgiennes purent me faire oublier cette première impression fâcheuse. Marshall l'oublie si bien qu'il donne une sœur à sa fille Sapho, Sally, de mère cambodgienne. Sapho ayant atteint l'âge de voler de ses propres ailes, Marie, avec beaucoup d'abnégation, accueille et éduque Sally, comme si elle était sa propre fille. Après l'affaire Malraux, Marshall est de plus en plus sollicité. Pour de nombreux écrivains et artistes, Angkor devient une escale obligée, une source d'inspiration. Pierre Benoît et son roi lépreux, ou Claudel, qui n'apprécie guère les temples. Angkor est bien l'un des endroits les plus maudits, les plus maléfiques que je connaisse. En 1931, l'exotisme est à la mode. Une nouvelle exposition coloniale se tient à Paris. Georges Grolier participe à la reproduction d'Angkor Wat. Un triomphe. L'image d'Angkor fait vendre. À l'occasion de l'exposition, Grolier reçoit le Grand Prix de la littérature coloniale pour ses romans. Et son troisième enfant, Bernard Philippe, futur conservateur d'Angkor, est élu plus beau bébé de l'année. À la conservation, c'est la fin d'une époque. Le romantisme n'est plus de mise. La photographie aérienne permet de localiser l'emplacement de la première capitale construite au 9e siècle. Ces clichés révèle aussi l'importance des canaux d'irrigation. Petit à petit,
Paul Muss et les chercheurs de l'école découvrent la signification des monuments khmers. Chaque nouveau roi érige son futur mausolée. Ce temple est la représentation de l'univers, avec en son centre le Mérou, la demeure des dieux. Autour, l'enceinte du temple représente la chaîne de montagnes célestes. L'ensemble repose sur l'océan sacré symbolisé par les douves. Une visite va bouleverser les méthodes de travail de l'école. Marshall reçoit le directeur archéologique des Indes néerlandaises. Le soir, dans son journal de fouilles, il écrit : Nos méthodes de travaux et de dégagement sans remise en place des parties écroulées des édifices sont très violemment critiquées par lui. Marshall admet qu'il y aurait à s'inspirer des techniques utilisées par les Hollandais sur les temples indonésiens. L'école l'envoie 3 mois dans l'île de Java. À son retour, il entreprend la première reconstruction intégrale d'Angkor. Le monument choisi est Bantasrei, en français la citadelle des femmes, dédiée au dieu Shiva. Pour l'occasion, les sculptures dérobées par André Malraux sont remises en place. Cette technique appelée anastylose consiste à examiner d'abord avec soin toutes les pierres déjà tombées, à les identifier, les serrer afin de reconstituer sur le sol toutes les parties écroulées. Ensuite, après relevé, dessins et photos de ce qui existait encore en place, on dépose toutes les pierres pour les remonter dans l'ordre d'origine sur une aire bétonnée. Le temple reprend ainsi son aspect intégral de jadis. Avec Marie, aussi idéaliste et éprise du Cambodge que moi, nous vivions au rythme du pays. Nous avions acquis la sympathie et la confiance des habitants dont nous parlions la langue. Nous avons pu assister aux cérémonies intimes de la vie quotidienne. Nos âmes d'artistes furent séduites par les couleurs et les coutumes pittoresques des Khmers. Après 18 ans passés à la conservation d'Angkor, Marie et Henri quittent le pays, mais aussi Sally qui reste auprès de sa mère cambodgienne. Les Marshall entreprennent un long voyage en Asie. J'avais laissé pour me remplacer un jeune architecte de talent, Georges Trouvé, et je partais rassuré sur le sort de mes vieux monuments que je laissais en bonne main. Au Bayonne, ce temple érigé en l'honneur du Bouddha, Trouvé eut l'idée de creuser le puits qui s'enfonce sous la tour centrale. Il y découvrit un grand Bouddha. Restaurée, la sculpture fut érigée dans la forêt près du Bayonne. Trouvé était un grand conservateur en devenir. En revanche, sa femme, qui m'avait semblé un peu mondaine et frivole, ne supportait pas la vie d'épouse d'un conservateur d'Angkor. Un matin, elle lui demanda le divorce. Le coup fut si violent qu'il se suicida. Devant cette disparition subite, je dus revenir à Angkor jusqu'à ce que l'école trouve un nouveau conservateur. Ce fut Maurice Glaise, un architecte d'âge mûr et marié. Son épouse avec ses enfants trouverait, pensait-on, dans son foyer de quoi se distraire et s'occuper. Pourtant, les Glaise ne gardèrent pas leurs enfants avec eux. Pendant l'année scolaire, ils les placèrent en pension à Dalat, au Vietnam. Les enfants ne revenant à la conservation que pendant les grandes vacances. À l'époque, il est arrivé une histoire surprenante. Un jour, un Bouddha est apparu en songe à un indigène, lui disant que la terre et les pierres qui le recouvrent lui paraissent bien lourdes, et il demande à être dégagé.
L'indigène se rend alors à l'endroit indiqué, au milieu du Barrais occidental, l'un des immenses réservoirs d'eau des villes d'Angkor. Une île et un petit temple, le Mebon. Là, il creuse. Bientôt, des fragments d'un Bouddha de bronze apparaissent. Mais un violent coup de tonnerre le fait fuir. L'indigène alerte Maurice Glaise qui, effectivement, découvre le buste. Plusieurs statues furent ainsi trouvées à la suite de révélations faites en rêve à un Cambodgien. Mais d'autres interventions surnaturelles eurent lieu. Le grand savant Sylvain Lévy m'avait dit devant le Nekpan « Je sens que mon âme est enfermée dans cet arbre. Je vous en prie, ne l'abattez pas. » Une nuit, un ouragan faucha l'arbre. Quelques jours plus tard, j'apprenais que Sylvain Lévy était mort subitement au même instant. Marshall prend en France une retraite bien méritée. Sur place, Maurice Glaise entreprend la restauration de nombreux monuments. Mais en l'absence d'Henri Marshall, une nouvelle fois, la malédiction frappe. 1941, l'aviation thaï bombarde la région des temples. Les Japonais contrôlent militairement le Cambodge, qui reste sous administration française. Le régime de Vichy doit faire de grandes concessions territoriales, et certains temples passent sous contrôle de la Thaïlande. Malgré le conflit mondial, Maurice Glaise continue ses travaux. La même année, le roi Monivong meurt. Un jeune homme de 17 ans, Norodom Sihanouk, lui succède. Après la chute de Vichy en 1945, les Japonais démantèlent complètement l'administration française redevenue ennemie. À Angkor, les travaux sont brutalement arrêtés. Tous les Français sont internés à Phnom Penh. La famille Glaise y retrouve Georges Grolier, le directeur du musée, qui est un radioamateur passionné. La police politique japonaise découvre son matériel et l'accuse d'espionnage. Georges Grolier est torturé à mort. Le Cambodge perd l'un de ceux qui auront consacré leur vie à la sauvegarde et au renouveau de la culture khmer. Son fils Bernard Philippe, résistant, fait partie des troupes alliées dans la deuxième DB du général Leclerc. Celles-ci reprennent le contrôle de la situation. Les gendarmes japonais de Saïgon rendent leurs armes aux autorités britanniques. À Phnom Penh, le général Leclerc est reçu par le roi du Cambodge. Demain, notre colonie sera restaurée dans son intégrité au sein de l'Union française librement acceptée. Mais les indépendantistes cambodgiens, nationalistes et communistes, pensent maintenant que les Français ne sont plus invincibles puisque les Japonais les ont humiliés. Des maquis de Khmer libres, les Issarak, appuyés par les communistes vietnamiens, les Viet Minh, s'organisent dans les provinces où l'armée française les pourchasse. À Angkor, les combats autour des temples rendent difficile la reprise des travaux. Face à cette situation, Glaise, rentré en France, refuse de revenir. C'est alors que survient l'écroulement d'une des galeries d'Angkor Wat. Il faut agir vite, l'école rappelle Marshall. À 71 ans, malgré l'insécurité, Henri reprend du service et son journal de fouilles. Arrivé à Siem Reap le 25 novembre 1947, pris contact avec le personnel et suis allé constater l'écroulement de la galerie sud. Après une absence de 10 ans, dont 7 passés en France où je fus retenu par la guerre, je fus ravi d'avoir l'occasion de me retrouver dans mon élément. Henri Marshall est revenu seul à Angkor. Ma femme Marie était morte en 1944. Les privations de toutes sortes sous l'occupation allemande, en plus des tourments moraux que lui causaient les événements, avaient achevé de miner sa santé.
Avec des crédits presque inexistants qui s'amenuisent d'année en année, le fonctionnement de la conservation relève du tour de force. Un témoin raconte, en 1949, je retrouve Marshall poussant en pleine guérilla jusqu'au cœur de la forêt, hanté par les Issaraks. Aux abords d'un temple, nous rencontrons un groupe de rebelles. Aussitôt, Marshall s'avance vers eux. À sa vue, les fusils s'abaissent et une acclamation s'élève. Il est le génie de la forêt, la divinité des temples, devant lequel les insurgés eux-mêmes s'inclinent avec respect. Quelques mois plus tard, les Issaraks cessent le combat et la France rend au Cambodge une indépendance relative au sein de l'Union française. Devant le célèbre temple d'Angkor, en présence du roi Sihanouk et du commissaire de la République au Cambodge, une cérémonie s'est déroulée à l'occasion de la passation des pouvoirs militaires à l'armée cambodgienne. À l'âge de 77 ans, Henri Marshall fait visiter une dernière fois les temples à un général de l'armée française. Je fis donc fonction de conservateur d'Angkor jusqu'en 1953, époque où je fus remplacé par de jeunes architectes diplômés, plus au courant que moi des procédés techniques de construction les plus récents. J'ai connu un Angkor mystérieux que l'on ne verra plus. J'ai goûté des sensations dont les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent se faire une idée. J'appartiens à un siècle périmé et ne regrette rien de ma vie passée. La même année, le Cambodge obtient son indépendance, tandis que la France se bat au Vietnam. Après la défaite de Dien Bien Phu, les accords de Genève officialisent la fin de la présence politique française en Asie du Sud-Est. Mais l'école continue son œuvre. De retour en France, Marshall supporte mal la vie occidentale. Nostalgique d'Angkor, il revient vivre au Cambodge auprès de sa fille Sally et de sa femme Khmer, Nang Nev. Entouré de ses petits-enfants, il s'installe le long de cette rivière qu'il aime tant. La vie moderne, dite civilisée, est malgré tous ses avantages matériels difficilement assimilable pour ceux qui ont vécu un autre genre d'existence, de grand air et d'indépendance, au milieu d'une nature non sophistiquée par les inventions de la science et de l'industrie. Dans les années 50, Marshall accueille un jeune homme qu'il a vu naître, Bernard Philippe, le fils de son ami Georges Grolier. C'est très jeune que Bernard Philippe avait quitté à regret le Cambodge et ce père qui avait tant fait pour l'Arc Khmer. En France, il avait reçu une éducation bourgeoise conforme à sa classe, comme le désirait sa mère. Mais Bernard Philippe a toujours su qu'un jour il reviendrait au Cambodge pour suivre l'œuvre de son père. Très vite, il s'intéresse à l'archéologie aérienne et au réseau d'irrigation du Cambodge ancien. Dès 1957, il écrit dans son journal « L'irrigation peut être le thème majeur de toute l'évolution, à creuser à fond ». Le 1er janvier 1960, Bernard Philippe Grolier est nommé conservateur d'Angkor. Il va pouvoir mettre en œuvre son ambitieux projet, restituer une vision d'ensemble de la civilisation angkorienne. Mais pour réaliser ce programme, il faut d'énormes moyens matériels et financiers. Grolier, l'ancien résistant, les obtient du général de Gaulle. Les travaux exigent un nombreux personnel. Ils sont parfois 900 ouvriers, encadrés par des spécialistes, 38 dessinateurs et un groupe de scientifiques. La conservation d'Angkor devient l'un des chantiers archéologiques les plus grands du monde. Grolier, surnommé l'Empereur,
et d'une exigence absolue qui parfois irrite ses collègues. Le soir, dans la maison du conservateur, enfin seul, Bernard-Philippe Grolier s'adonne à ses passions, la lecture et l'écriture. Je me retrouve seul, je dois le dire avec volupté. Au fond, peut-on sympathiser avec ses subordonnés? Pourquoi ce manque total de contact humain? Habitude de vieux garçon et complexe économico-maternel. Certainement inhibition de mes frustrations d'enfance. Aussi, cette avidité de tendresse qui n'a jamais trouvé que les limites de maman et n'a pas pu rencontrer l'intelligence de mon père que je n'ai connu qu'enfant. Aussi, orgueil bien sûr, et même vanité. Quoi qu'il en soit, Grolier n'affiche aucune morgue envers les ouvriers qui en retour lui sont très dévoués. Il lance ses grands projets, relevé exhaustif de tous les monuments, création d'un laboratoire pour étudier les processus d'altération des pierres et bien sûr les travaux de restauration. Si un problème survient avec l'administration cambodgienne, Grolier se rend à Phnom Penh rencontrer son ami d'enfance, le roi Norodom Sihanouk, et tout rentre dans l'ordre. En retour, l'image symbolique des temples qui retrouvent leur splendeur permettent à Sihanouk d'affirmer la grandeur de son petit pays. En 1966, à l'occasion de la visite officielle du général de Gaulle, un siècle après le début du protectorat français, le Cambodge indépendant semble avoir renoué avec son illustre passé. Mais au-delà des festivités, la situation s'assombrit. Norodom Sihanouk a une passion, le cinéma. À Angkor, il réalise de nombreux films dans lesquels il tient les principaux rôles. Par ses histoires romanesques, il transmet des messages d'espoir à son peuple. Pourtant, son film Crépuscule se termine par ces paroles prémonitoires. Là est très vieilli, il s'avance vers le soleil couchant, tandis que viennent mourir à ses pieds les vagues de l'océan. Quelques mois plus tard, en mars 1970, Sihanouk est victime d'un coup d'état militaire soutenu par les Américains. La République est proclamée. En exil à Pékin pour combattre le nouveau régime, Sihanouk s'allie avec les maquisards communistes de Pol Pot, les Khmers Rouges. La guerre civile s'intensifie. À Siem Reap, Henri Marshall termine la rédaction de ses souvenirs dans lesquels il raconte ses 60 années passées au Cambodge, dont 37 à la tête de la conservation d'Angkor. Et les Cambodgiens sont incinérés leurs morts. Et j'ai demandé à maman, n'est-ce pas, à ce que je sois incinéré suivant les coutumes cambodgiennes. Et les cendres jetées au vent. Henri Marshall s'éteint le 15 avril 1970, à l'âge de 94 ans. La ville tout entière assiste à la cérémonie. Le Luktana, le sage, le génie protecteur des ruines d'Angkor, n'est plus. Deux mois plus tard, les Khmers Rouges alliés au Viet Minh pénètrent dans les temples. À quelques kilomètres de là, au dépôt de la conservation, où sont entreposées provisoirement toutes les statues découvertes dans les monuments, Grolier est interviewé par un journaliste de la télévision française, René Puisseau. Ça claque sec, hein? C'est sec, oui, puis alors nous sommes sous le vent. Alors, en première mesure d'urgence, nous avons retourné les pièces par terre et à l'extérieur. Nous avons blindé les... protégé les fenêtres contre les éclats. Nous n'avons pu faire autre chose que de les coucher de toute urgence, qui donne un peu cette impression de charnier ou d'ossuaire. Les combats touchent la population civile et font 15 victimes parmi les ouvriers. Les villageois viennent se réfugier à la conservation. Nous avons déjà regroupé près de 200 de notre personnel cambodgien, qui en comptait 800 avant les événements. L'autre partie étant sur place, notamment Angkor Wat. Angkor Wat est devenu un refuge. Il y a quelques 3000 personnes qui vivent dans Angkor Wat. C'est d'ailleurs très, très beau, très, très, très émouvant.
Le lendemain, en filmant les réfugiés dans Angkor Wat, René Puisseseau et son caméraman Raymond Meyer tombent sous les balles des soldats vietnamiens. La ligne de feu se stabilise entre la ville de Siem Reap et les temples. Les belligérants autorisent Grolier à circuler uniquement à bicyclette. Grolier veut continuer les travaux. Il n'est pas question de poursuivre certains chantiers qui nécessitent trop de matériaux, comme celui de Bapuan, cet immense temple dont Grolier a entrepris la restauration. Des milliers de pierres ont déjà été déposées et numérotées. Mais il essaie malgré tout d'achever les autres chantiers. Dans son journal, il écrit le 25 août 1972 « Seule consolation, les chantiers ont marché très correctement. Mais refaire du 10 ou 11e siècle en ce moment et dans ce contexte confine, je l'avoue, à la folie pure et simple, ou si l'on veut, à un acte cher aux surréalistes. » Au printemps 1973, Sihanouk, en tenue Khmer rouge, rencontre les chefs de la guérilla dans les temples d'Angkor. À la même époque, une nuit chez lui, Grolier est poignardé. À sa mère, avec qui il entretient une abondante correspondance, il envoie ces mots : Tu n'as aucune raison de t'affoler, c'est un accident banal. Profondément blessé au foie, Grolier est opéré. Dès le mois suivant, il repart s'occuper des temples, mais la guerre civile fait rage. En mars 1974, il écrit « À la veille de peut-être quitter définitivement le Cambodge. Faut-il faire un bilan, verser les larmes propriatoires et de rigueur, me sentir gêné, heureux, ou rien, peut-être tout simplement se taire. Ce qui est fait, bien ou mal. » Le Cambodge sombre dans le chaos. Les Khmers rouges prennent le pouvoir. À Angkor, les ouvriers de la conservation sont déportés. Certains temples servent de prison. À Phnom Penh, Sihanouk est enfermé dans son palais. Le Cambodge est transformé en un immense camp de concentration. Les Khmers rouges déclarent la guerre à leurs anciens alliés vietnamiens. L'histoire se répète. Déjà sous le règne des rois d'Angkor, les batailles successives et les temples que chaque nouveau roi érige épuisent le peuple Khmer. C'est ainsi que Bernard-Philippe Grolier explique la décadence de la civilisation angkorienne. En France, il s'inquiète. L'abandon d'Angkor n'est pratiquement rien comparé aux souffrances du peuple khmer. Le plus important est de sauver le peuple, pas les monuments, pour le moment. Ceux-ci peuvent attendre. Sous les Khmers rouges de Pol Pot, le travail forcé et le génocide systématique des intellectuels et opposants anéantissent plus d'un million de Cambodgiens. En 1979, les Vietnamiens renversent les Khmers rouges et installent un régime dominé par des communistes cambodgiens qui leur sont proches. Sihanouk repart en exil. Royalistes, nationalistes et Khmers rouges continuent la guerre contre ce pouvoir. Les pays occidentaux, dont la France, ne reconnaissent pas le nouveau gouvernement. Grolier ne peut donc pas retourner au Cambodge. Le génocide a considérablement affecté. Il succombe à une crise cardiaque le 29 mai 1986. Sur place, petit à petit, les survivants dont fait partie M. Prem reviennent dans leur village, près des temples d'Angkor. Dans les années 80, seuls les pays du bloc communiste et l'Inde viennent aider les Cambodgiens à restaurer les temples qui, pendant la guerre, ont subi vandalisme et pillage. M. Prem travaille 3 ans avec eux. Fin 1991, les accords de paix sont signés. Norodom Sihanouk retrouve son trône. Angkor est inscrit sur la liste du patrimoine culturel et naturel mondial de l'UNESCO. L'école française d'Extrême-Orient est de retour, mais elle n'est plus seule à restaurer les temples. Au sein de l'association Apsara, l'État cambodgien et l'UNESCO développent et gèrent l'aide internationale. Prem revient au Bapuan, cet immense temple dégagé par Komai et protégé par Marshall. Bernard-Philippe Grolier en avait commencé la restauration, brusquement arrêté par la guerre. Alors, au fil des ans, les ruines du temple disparaissent sous la végétation.
25 ans plus tard, il faut débroussailler avant de reprendre les travaux. À l'époque, 400 000 pierres du Bapouane avaient été déposées et répertoriées dans la forêt le long du temple. Mais pendant la guerre, les livres de dépôt ont brûlé. Aujourd'hui, il faut retrouver et reclasser toutes les pierres afin de pouvoir les remonter. Sur le chantier, Prem retrouve l'architecte Jacques Dumarsais, qui était l'adjoint de Grolier en 1970. Jacques Dumarsais a retardé son départ en retraite pour faire le lien entre le passé de l'école au Cambodge et les chercheurs d'aujourd'hui, dont Pascal Royer, qui terminera la restauration du Bapouane au début du 21e siècle. Mais il vient du deuxième gradin du sous-bassin. Il y a du sable juste derrière. Mm-hmm. En fait, il a poussé. On l'a déjà coupé, mais... C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura déchargé pas mal ici, là, une fois qu'on aura déchargé les pieds, au moins jusque-là, là, ça sera peut-être facile de bricoler le... Ça allégera, oui. Ouais. Ce l'angle a été refait jusqu'où? Jusqu'à la galerie? Jusque-là, jusque-là, oui. L'angle est refait jusque-là. Mais alors, là, ce qu'on pourrait faire, c'est refaire un truc maçonné, par faire du béton. Bon. Hein? Mm-hmm. Parce qu'on l'a déjà fait une fois. Grolier disait, depuis près d'un siècle, ce sont des intellectuels étrangers qui ont trôné sur Angkor, moi étant le dernier. Nous avons ainsi, d'une certaine manière, dépouillé les Khmers de leur passé, alors que nous en écrivions l'histoire. Pour l'école, il est indispensable que des chercheurs Khmers se réapproprient Angkor. En 1960, l'université d'architecture et d'archéologie de Phnom Penh est créée. Les Khmers rouges la détruisent. Aujourd'hui, les cours ont repris. On a des photos du Bakong au début de ce siècle. Hein, vous avez juste, ça s'arrête là. Il n'y a plus rien en haut. C'est donc Glaise qui a trouvé tous les morceaux de la tour et l'a reconstruite. Ce qui vous explique que les pierres soient très souvent très abîmées parce que toutes ont été retrouvées par terre. Bon, alors comment est-ce qu'on a su que c'était du 12e? Ben, c'est qu'on a trouvé des quantités de motifs qui nous rapprochent d'Angkor Wat. Hein, mais en même temps, il y a des choses que vous ne trouverez pas à Angkor Wat, normalement. Regardez ce qui se passe au-dessus des Devata, là. Si vous avez des éléments du style d'Angkor Wat, ça ne peut pas être antérieur au style d'Angkor Wat, même si vous avez des éléments du style du Bakeng. Depuis 1989, nous avons essayé de réouvrir cette faculté de nouveau partir de zéro, bien entendu, et de nouveau d'essayer d'apprendre notre passé de manière scientifique. Et heureusement, nous avons bénéficié pour cela du concours, entre autres, de l'École française des Thermoviens, mais d'autres institutions internationales aussi. Il se trouve qu'encore étant inscrit comme patrimoine mondial, nous avons cette chance que l'enseignement de l'archéologie est considéré comme faisant partie de cette entreprise internationale de sauver encore. Depuis un siècle, riche d'aventures épiques et dramatiques, les chercheurs de l'École française d'Extrême-Orient découvrent l'histoire des temples d'Angkor. Bernard-Philippe Grolier a synthétisé toutes ces données en élaborant sa théorie sur l'empire agricole. Aujourd'hui, ses successeurs continuent les recherches. Au Cambodge, les pluies de mousson et les crues du Mékong inondent quelques semaines par an la plus grande partie du pays. Le reste du temps, la sécheresse domine. Au IXe siècle, les Angkoriens s'adaptent et tirent profit de ces conditions climatiques. Leur secret, la maîtrise de l'eau. Durant les inondations, ils remplissent d'immenses réservoirs, les barrets. À la saison sèche, ils répartissent l'eau dans les rizières en profitant de la pente naturelle des terrains. Plus tard, ils complètent le système par un réseau de canaux d'irrigation qui rend possible 2 récoltes de riz par an. Cette abondance nourrit une nombreuse population et une puissante armée. Au sommet du système politique et social, le dieu roi qui construit au centre de sa ville un temple montagne, symbole de son pouvoir absolu. Au XVe siècle, la civilisation angkorienne s'est effondrée. Aujourd'hui, les canaux d'irrigation sont détruits et le Cambodge manque de riz.
Un jour peut-être, les Khmers retrouveront la maîtrise de l'eau, le secret des temples d'Angkor. Serait-ce des peintures ?